Joe Clay, ça n'a plus de sens. Vous allez me partager cette vidéo-là. Il y a un apprenti qui est venu me voir à Inbox. Il a passé son cours à l'école pour devenir charpentier-menuisier. Le gars, il a une famille, il a deux enfants. Puis il y a une femme, puis il y a une maison à Rimouski. Ça fait 4 mois qu'il a commencé à Rimouski. Puis on est rendu en mois de février, puis il n'y a plus d'ouvrage à Rimouski. Le gars, il se cherche de l'ouvrage. Il s'est trouvé de l'ouvrage à Québec. Il vient de se faire sortir du chantier par la CCQ! Avec un ticket de 500$ à cause que c'est un travailleur hors région! Le gars, il gagne 500$ par semaine, il se trouve une job à Québec, il se fait un cul pour aller travailler à Québec, pour se louer un motel, pour faire vivre sa famille! Puis vous autres, vous arrivez, puis vous décollissez un ticket, puis vous le sortez du chantier! Mais est où votre crise de tête de tabarnak? Ça aurait l'air qu'un employé que pour avoir le droit de travailler hors région avec ta carte, il faut que tu sois employé préférentiel pour la compagnie. Ça veut dire qu'il faut que tu aies fait plus que 2000 heures pour la compagnie pour avoir le droit de travailler à l'extérieur. Ou sinon, tu es obligé de changer ta carte de région. Fait que tu perds ta pension pour payer ta crise de tabarnak, de chambre, de motel. Le gars, il a plus une scène. Ses enfants, ils ont faim. Il est obligé de se trouver une job dans une shop à Rimouski. Tabarnak! C'est quoi ça, ces lois-là? On est tous des Québécois sacrément de crise. Est rendu où votre tête? Pourquoi qu'un Montréalais aurait plus le droit de travailler qu'un Rimouskien? Pourquoi qu'un gars de cette île aurait plus le droit de travailler qu'un Québécois? C'est quoi ça? C'est quoi? Est où votre crise de tête? Chris! Me semble, c'est simple. On a le droit de travailler partout au Québec. On est un Québec libre. Non? Hein? Là. Tout le monde qui a reçu un ticket, tout le monde qui se font sortir du chantier, j'ai un avocat. On va faire un recours collectif. Je vais recueillir tout le monde qui a eu des tickets, tout le monde qui a eu des plaintes, tout le monde qui se sont fait sortir du chantier, toutes les tickets, tout, on regroupe tout ça ensemble, puis on fait un recours collectif contre la CCQ. On peut plus se laisser piler ses pieds comme ça. Il y a des limites à conseil des petits cris de chiens. Ils nous prennent pour des caves, tabarnak! Je peux pas croire, asti, que le gars, il a passé 6 mois à l'école pour étudier dans son métier, puis après ça, il est obligé de travailler à une shop à cause de la CCQ. Joe Clay, il est là pour vous autres, pour vous supporter. Si les syndicats, ils approuvent cette loi-là, mais Joe Clay, il est rendu anti-syndicat. C'est-tu clair, ça? Appuyez-moi, les gars! Parce que ça a plus de sens des lois imbéciles comme ça. On est au Québec, c'est. On est supposé d'être libre. On est tout en inbox, tous ceux-là qui ont des tickets sur ça, tous ceux-là qui se sont faits, on fait un recours collectif, dommage intérêt. On les lâche pas. On fonce. Niveau 2, Joe Clay, ça lâchera pas. Ça fait juste commencer.